Merci, pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse aussi. En parlant de ta part. Dans le livre de Jean au chapitre 10, travailleurs de société. Nous sommes en train de parler de la vie de Dieu. Depuis le premier jour, on a parlé de Jésus comme étant la pierre vivante, le rocher duquel sort le miel, l'huile et de l'eau. Nous avons vu hier qu'il était l'arbre de vie et que cette vie doit être manifeste en nous. Et je voudrais terminer pendant que je priais ce matin de m'amener à cœur de nous parler sur Jean chapitre 10. Nous lisons le verset 27 au verset 29. Jean chapitre 10, verset 27 au verset 29. Ah, il y a un problème avec le micro. Ensemble, mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. J'ai l'impression qu'on t'entend pas. Ik heb de neiging. Dat is maar niet goed hoor. Ja. Daar. Gaat het? Dat de zoon van de Heer. Oh, it's good night. Dankjewel. Let's go back to meet you. Wow. Yes. Alors, je parlerai ce matin. Ik zal spreken deze ochtend. La protection de Dieu. Over de bescherming van God. Là où il y a la vie, waar er leven is, il y a la protection divine. Is een goddelijke bescherming. Savez, il y a quelque temps, enkele tijd, Dieu m'a donné une vision, gaf God mij een visie, où je voyais une grande main, waarin ik een grote hand zag op zijn volk komen. En fait, pourquoi? Waarom? Parce que nous vivons des temps difficiles. Want we leven in moeilijke tijden. Nous vivons des temps où le diable est en train d'attaquer. Waarin de duivel aanvalt. Je ne sais pas pour vous, mais les enfants de Dieu que je connais sont attaqués. Kinderen van God die ik ken zijn aangevallen. Zijn bedreigd. Sont la cible de l'ennemi. Zijn het doel van de ennemi. Sont la proie du diable. Le doelwit van de duivel. Et Dieu veut vous donner la vie. God kan het leven. Et s'il n'y a pas la protection, als er geen bescherming is, vous pouvez perdre cette vie. Dieu peut vous bénir. God zegen. Il peut vous faire grâce. Hij doet genade. Il peut vous bénir avec la santé. Zegenen met gezondheid. Il peut vous bénir avec un mariage. Zegenen met huwelijk. Il peut vous bénir avec des enfants. Zegenen met kinderen. Mais si sa protection n'est pas, maar als zijn bescherming niet is, vous pouvez tout perdre. Kun je alles voilà ce qu'on a besoin de la protection de Dieu. Bescherming. Il y a un homme de la Bible, een man in de Bijbel, le nom de Jabez. Jabez. Qui était dans la pauvreté. Hij was in armoede. Qui était dans la souffrance. Hij was een lijden. Et quand il a demandé à Dieu, toen hij vroeg aan God, de lui faire grâce, om hem genade te doen. Il demande à Dieu, hij vraagt aan God. Et si je trouvais grâce à tes yeux, als ik genade vind in jouw ogen, alors étant mes limites, verbreed mijn limieten. Non seulement étant mes limites, niet alleen dat, bénis-moi, zegen mij. Fais en sorte que, maak dat, ta main soit sur moi. Et que tu me préserves du malin. Ça signifie quoi? Dieu peut vous donner les grâces. Dieu peut vous donner la vie. Mais s'il n'y a pas la protection, vous pouvez la perdre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc on a besoin de la protection. Et dans cette conférence, Zoé, je voudrais dire à quelqu'un que ce que Dieu te donne, ce que Dieu t'accorde, assure-toi qu'il y a une protection autour de ça. Assure-toi que les brebis qui sont dans la bergerie sont protégées. Contre les prédateurs, contre les loups, assure-toi que dans ta famille, dans ta maison, ta femme, ton mari, tes enfants, ton argent,
argent, du geld, des biens, des goederen, sont protégés. Et que la protection de Dieu vienne. Que la main de Dieu vienne sur ta cœur. J'ai pas entendu la main de quelqu'un. J'ai besoin de la protection de Dieu. Et tu vas le comprendre. Quand la main de Dieu arrive quelque part, elle assure la sécurité. La main de Dieu assure la protection. La main de Dieu assure la faveur. Sur les bénédictions. Lorsque Néhémie devait partir pour aller reconstruire le temple, les murailles de Jérusalem, il a demandé à Dieu que la bonne main soit sur lui. Est-ce que Dieu peut demander que la bonne main de Dieu soit sur nous? Oh Seigneur, que la bonne main soit sur nous, soit sur les hommes, dans la bonne main. De goede hand. Sur nous, le Dieu des cieux nous donne le succès. Oh, je n'ai pas entendu. Je parle du Dieu des cieux. Qui te donnera le succès. Ce soir, parce que sa bonne main est sur toi. Et tu réussiras. Tu perceras. On a dit qu'en Hollande, c'est difficile. Je sais que je te dis. Avec Dieu, quand le ciel est ouvert, tu vas percer. Il y a quelqu'un qui va percer. Nous allons percer. Et nous allons réussir. Amen de Dieu. Amen la délivrance. Je dis la délivrance. La libération. La restauration. C'est la main de Dieu qui a délivré Israël de la captivité de l'Égypte. Je ne sais pas qu'est-ce qui était captif. Dans quelle situation tu peux trouver. De la captivité ou de la prison. Que la main de Dieu vient. Et te prenne. Et te sort. Et t'emmène dans la liberté. Tu n'as pas compris. Que la main de Dieu vienne. Le sort de la prison où tu étais. Il y a des gens qui le voyaient comme ça. Ils sont prisonniers spirituellement. Ils sont dans les cachots. Ils sont dans les maisons. Tu es en Europe. Et tu rêves toujours dans la maison familiale. Ou en Afrique. Ou au village. Que la main de Dieu aujourd'hui. Que la main de Dieu aujourd'hui. Que la main de cet emprisonnement. Que la main de Dieu apporte la délivrance. Car la main de Dieu est là. Elle te donne les capacités surnaturelles. Je crois que tu es capacité par Dieu. Je crois que tu es capacité par Dieu. Je crois que tu es capacité par Dieu. Parce que je l'ai dit, ce n'est ni par force. Ce n'est ni par puissance. Ah, c'est par mon esprit. Je dis l'éternel. Je dis par mon esprit. Je dis l'éternel. Que la main de Dieu amène le secours. Dans le nom de Jésus. Tape la main de quelqu'un dit tu as besoin de la main de Dieu. Il est entre autres. 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 Il est oh Dieu béni. Amen. Ah, je déclare dans ta vie. Les choses vont prendre une autre vitesse. Amen. Les choses vont prendre une autre allure. Je vois une propulsion. Je vois un étirement. Je vois un agrandissement. Je vois pas de réinvent, pas de l'argent. Je vois de l'argent, au nom de Jésus. De Dieu n'est pas trop rude pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour atteindre. La main de Dieu, tu peux être ici, tu pries. La main de Dieu est en train de livrer quelqu'un quelque part. La main de Dieu n'est pas limitée par le temps, mais par l'espace. La main de Dieu, c'est ce qui amène la protection. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas de protection sans la main de Dieu. Zonder de hand van God. C'est ce que Jésus dit. Dat wat Jezus zegt. Mijn brebis. Mijn vraagzaam. Hoor mijn stem. Ah, et je leur donne la vie éternelle. En ik geef hem eeuwig leven. J'ai compris, je les connais. Ik ken hem. Et ils me suivent. En zij volgen mij. Je leur donne la vie éternelle. Ik geef hem eeuwig en leven. Ils périront jamais. Nooit gaan ze verloren. Et personne ne les ravira. Niemand zal ze uitpakken. La main de mon père. Uit de hand van mijn vader. Je vais le dire à quelqu'un. Ik wil iemand zeggen. Si tu es enfant de Dieu. Als je kind van God bent. Tu es dans la main de quelqu'un. Bent u in iemands hand. Je dis tu es dans la main de quelqu'un. U bent in iemands hand. Avant que le diable te touche. Voordat de duivel raakt. Je veux avant tuer Dieu. Want dan eerst God door toegang tot jou te krijgen. Uw leven is verborgen in Christus.
Amen. Jésus connaît ses enfants. Jésus connaît ses enfants. Jésus connaît ses enfants. Les brebis suivent le Seigneur. De schapen volgen de Heer. Et reçoivent la vie Zoé. En ontvangen Zoé leven. Tu ne périras pas. Je réponds nouvellement quelqu'un. Quand il y a la vie, wanneer leven heeft, tu ne peux pas périr. Kun je niet verloren gaan. Tu ne peux pas mourir. Je kunt niet sterven. Personne ne peut t'arracher. Niemand kan afnemen. Nous vivons des cœurs spirituels terribles. We leven in de si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir ce qui se passe dans le monde spirituel, als God ons de ogen opent voor dat, serait effrayé. Zullen wij echt beangstigd worden. Que je les protège. Maar hij zegt, ik zal beschermen. Très bon, vous êtes protégés par Dieu. Ik zal beschermen door het nom de Jésus. Vous êtes protégés. Sous la protection de Dieu. Protection de Dieu. De bescherming van personne ne pourra vous arracher. Niemand kan u afnemen. Il tient l'âme de tout ce qui vit. Hij houdt de ziel vast van elke leven in zijn main. Et les mains du Père sont les plus grandes mains. Het zijn de grootste handen. En rien ne pourra vous ravir. Niets kan afnemen. De cette main-là. In deze hand. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que la protection? Wat is de bescherming? On parle de protection par le quoi? Wanneer we spreken over de bescherming? Je vous donne quatre définitions du mot protection. Vier definities geven. Premièrement, quand on parle de protection, bescherming, c'est l'action de protéger. Is de actie om c'est l'action de défendre. De actie om te verdedigen. Quelqu'un ou quelque chose, iets of iemand, contre un agresseur, tegen un agresseur, contre un ennemi, tegen een vijand, contre quelqu'un qui veut vous faire du mal, tegen iemand die op pijn doet. Donc la protection, dus de bescherming, c'est pas de du danger. Bespaart je van het kwaad. Deuxièmement, la protection. Tweede, c'est aussi une personne qui vous protège. Het is een persoon die u beschermt. Qui assure votre protection. Die uw bescherming verzekert. Ça peut être un garde-corps. Het kan een bewaker zijn. Ah oui, ça peut être un esprit. Het kan een geest zijn. Je connais des coins où il y a des esprits qui protègent. Je kent hoeken waar er geesten zijn die beschermen. On parle d'un esprit de sorcellerie, mais qui protège. Nous, on ne fait pas la mauvaise sorcellerie, nous, on fait la bonne sorcellerie. Een geest van hekserij. On va toch geen slechte hekserij, mais il n'existe pas. Die je legt onder je hoofd zodat demonen wegjagen. De beste bescherming. Je leven is verborgen in Christus. Dans le monde spirituel, tu es invisible. Spirituele wereld is onzichtbaar. We kunnen niet aanraken. Troisième définition, la protection. De bescherming. C'est le fait de soustraire d'un danger. Het feit van je onttrekken uit de gevaar. Je wegtrekken daarvan. Dieu est celui qui enfants les projets de l'ennemi. Il m'est arrivé à deux reprises, j'ai raté deux crashs d'avion. Twee keer had je een vliegtuig ongeluk gemist. Le premier crash. De eerste ongecrash. J'étais en Malaisie. Ik was in Maleisië. Je devais rentrer en urgence sur Paris. Ik moet snel naar Parijs gaan. C'était au début de l'église. In het begin van de kerk. Et je sentais dans mon cœur qu'il fallait pas que je parte. En ik voelde in mijn hart, ik moest niet gaan. Mais on m'a mis la pression, il faut rentrer. Ik had een druk gezet, je moet gaan. Et quand je suis allé pour changer mon billet d'avion. Toen ik mijn ticket ging vinden. J'ai rencontré tellement d'obstacles. Zoveel obstakels. Et j'ai senti qu'il fallait pas aller. En ik voelde, ik moet gaan. Et le frère qui m'avait invité dit, ne pars pas. De broer die mij uitgenodigd zei, j'ai dit, ok, d'accord, j'écoute, je ne veux pas aller. Zei, ik ga niet. Les députés à Paris, débrouillez-vous. Moi, je ne rentre pas. Je vais prendre le vol qui faisait Malaisie jusqu'à Pékin et de Pékin, Paris. Ik ga een andere vlucht nemen vanuit et figurez-vous, parce que je n'ai pas été. Het waarom, omdat ik er niet ce was. Vol-là a disparu jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais su ce qui s'est passé. Tot vandaag de dag, die vliegtuig is verdwenen. Il y a je connais un Dieu qui est capable de tirer du danger. Je ne parle pas de n'importe qui. Lorsque tu as la vie de Zoé, je dis qu'il va te protéger, il va te garder, il enverra des anges qui te porteront sur les mains afin que ton pied n'entre pas dans tes pieds. Nous sommes protégés. Oh, notre Dieu est un Dieu de protection. Je ne sais pas à qui cette parole est destinée, mais que tu sois protégé par Dieu. Ce qui tue tout le monde ne te tuera pas. Il a dit, vous boirez des breuvages mortels. Cela ne vous fera aucun mal. Mais quand on parle de protection, quatrième définition, la protection est une couverture.
couverture is een deken qui est censé te garder dat moet behouden contre les dégâts, tegen les blessures et la destruction. Tegen vernietiging. La protection, c'est le fait de te préserver du mal. Dat je wordt behouden van de dégâts. Et la Bible nous dit en de Bijbel zegt que nous avons quelqu'un we hebben iemand qui cherche à nous détruire, die ons wil vernietigen. Le voleur, de dief. Jean 10, verset 10. Joris 10, 10. Ne vient que pour dérober, komt alleen voor égorger, doden, et détruire. Te vernietigen. Et moi, je suis venu ik ben gekomen, afin de me reprendre la vie zodat we schatten et la vie en abondance. Je comprends une chose. Ik begrijp niet. Là où il y a la vie, mijn leven is, la mort n'est pas loin. Is de dood niet Satan n'est pas loin. Satan is niet là où il y a Dieu, waar God is, Satan n'est pas loin. Satan niet ver. Il y a un homme dans la Bible. Er is een man in de Bijbel. Il était intègre. Hij was intègre. Il marchait avec Dieu. Hij liep met God. La Bible dit, maar de Bijbel zegt, de réunion. Hij was er bijeen. Le fils de Dieu se sont réunis. En de raad van God kwam bijeen. Et Satan aussi est venu. En Satan kwam ook. Le diable cherchait là. De duivel zal zoeken. Par tous les moyens. Alle mogelijke manieren. Il demande très bien. Hij is goed naar me. À voler ce que Dieu vous donne. Om te stelen wat God vergeet. De genade van God af te nemen. Quand il voit quelque chose prospérer, wanneer hij iets voorspoedigs ziet, is hij nooit ver. Voilà je parle de protection. Daarom spreek ik ook over protection. Dat wat hij met begonnen, dat is begonnen. Dat de vijand niet binnenkomt om te saboteren. Dat de vijand niet binnenkomt om te saboteren. Dat hij komt niet om ravage te zijn. Die is la main de Dieu. De hand van God die protège. Le voleur vient pour dérober. De dief komt om te détruire. Protection de Dieu. Amen. La vie en abondance. In de naam van Jezus. Je disais au nom de Jésus. Ik zei in de naam van Jezus. Je vous ai dit. Dieu a créé l'homme à son image. God ziet de mensen. Il a planté dans le jardin d'Eden. En in de tuin enig gezet. Satan est venu. En Satan de slang. Om te brengen naar de zonde. Il a péché. Toen hadden gezonde. Il a perdu la protection. Als ze de bescherming van God verloren. Oh mon frère, ne perds pas la protection. Geliefde, verlies het niet. Amen. Amen. Je vais parler de six choses et puis nous allons prier. Over zes dingen, nous pour bénéficier de la protection de Dieu. Van de on a besoin de six choses. Qu'est-ce que la protection divine? Wat is de goddelijke amen. Amen. Ou comment bénéficier de la protection de Dieu? Van de bescherming. Première chose. Eerste, c'est ce qui note. Première chose. Pour bénéficier de la protection de Dieu. Il faut marcher par l'obéissance à la voix de Dieu. À entendre Dieu. Votre dit, mais premier, entendre ma voix. Tu veux être dans la main de Dieu. Que le diable ne te sorte pas. Entends la voix de Dieu. Obéis à la voix de Dieu. Respecte la voix de Dieu. C'est parce que Adam et Ève dans le jardin n'ont pas respecté la voix de Dieu. Ils ont perdu la protection. Ils ont été chassés. Ça, c'est la première condition. C'est la première clé. Que Dieu ouvre l'entendement spirituel. Que Dieu te donne les oreilles spirituelles pour entendre la voix de Dieu. Alléluia. À chaque fois que tu obéiras à Dieu, tu bénéficieras automatiquement de la protection de Dieu. L'obéissance à Dieu assure la protection. Quand Dieu t'a établi quelque part, ne sors pas de la zone où il t'a établi. Tu es en train de se déloigner de ta zone de protection. Reste là où tu place. Reste là où Dieu te met. Blijf dans la rose. Cette parole est pour quelqu'un. Reste là où Dieu te place. Blijf dans la rose. Pour la maison. C'est que nous voulons faire notre propre volonté. Nous voulons pas écouter la voix de Dieu. La protection vient lorsqu'on écoute Dieu. C'est la première condition. Obéir à la voix de Dieu. Obéir à la voix de Dieu. Il assurera ta protection. Il assurera ta protection. Une fois Dieu m'a montré que si je désobéissais volontairement à ses instructions, comment est-ce que l'ennemi pouvait entrer même dans ma famille? Où de faire ça, c'est ma famille, ça. Oh, ce n'est pas la blague. Le diable. Surtout plus vous montez avec Dieu. Plus Dieu est exigeant. Plus il est exigeant. Plus le diable. Plus le diable est proche. Il attend une faille. Regarde comment est-ce que en une journée. En une journée, Satan a détruit la vie de Jean. Jean a perdu sa santé. Il a perdu ses richesses. Il a perdu tous ses enfants. En un jour, il n'a pas de compassion. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui peut assurer la compassion. Ma prière est que Dieu te donne la capacité d'entendre la voix de Dieu et d'obéir à la voix de Dieu. Je sais que tu vas garder la vie que
behoud je leven. Parce que la vie, tu peux la perdre. Leven, si tu ne payes plus à Dieu. Als je niet gehoorzaam bent. Tweede voorwaarde. Bénéficier la protection de Dieu. Dieu van de bescherming. Avoir la confiance. Dan moet je vertrouwen Dieu. In God. Dieu avec moi la confiance. Zeg maar mij vertrouwen. Vertrouwen. Confiance en Dieu. Vertrouwen in God. La confiance en Dieu. Le vertrouwen in God. Deuxième clé. Tweede sleutel. Dieu est l'être suprême. God is the supreme. Dieu est l'esprit suprême. Hij is de hoogste wezen. Je l'appelle le grand architecte de l'univers. De grote architect van het universum. Je l'appelle le constructeur de toutes choses. De bouwer van alles. Je voudrais dire à quelqu'un. Ik wil iemand zeggen. Même dans le monde invisible du diable. Zelfs in de onzichtbare wereld. Dieu est invisible. Je veux dire quoi? Wat wil ik zeggen? Dieu voit Satan. God ziet Satan. Mais Satan ne voit pas Dieu. La foi, être l'homme, une ferme assurance, les choses qu'on espère, une démonstration, des choses qu'on ne voit pas. Dans la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du trône, il est sans un homme de tout puissant. Il est mon Dieu, il est mon Fils. Hij is mijn verdediging. Kom in vallen. De geest van de Heer. Oh, what's wrong, girl? Touche rien là-bas. Vous savez, le diable n'aime pas ce genre de message. De duivel houdt niet van deze boodschap. Est-ce qu'on peut prier une minute dans le monde? C'est pas normal, et puis l'eau commençait à rentrer dans la maison. En water begon in het huis te komen. Et ça commençait à monter, et puis tu t'es réveillé. En het begon te stijgen, et toi ben je wakker. Est-ce que tu es là, je peux voir là? Ben je hier? Simplement là. Alleen je hand. Tu as vu cette vision? Heb je die visie gehad? Ça, chez toi, les gens sont timides. Dat zijn verlegen. Après, ils nous appellent après. En daarom bellen ze ons later op. En fait, il y a quelque chose qui se prépare. In feite, iets bereidt zich voor. Il y a une onde de l'ennemi. Er is een werk van de vijand. Vous savez, le torrent, die vloedgolf, l'inondation, die overstroming, représente des attaques sataniques. Representeert een satanische aanval. C'est-à-dire qu'il y a des portes ouvertes dans ta vie. Dus er zijn open deuren dans ta maison qu'il faut fermer. In uw huis die moet sluiten. Et si tu ne les fermes pas, als je dat niet doet, d'accord? Ça va commencer petit à petit, les problèmes vont commencer et ça va grandir, 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 jusqu'à ce que tu sois submergé. Et ce que je vois aussi, c'est qu'il va se passer dans ta maison. Je ne sais pas si la personne est ici, peut-être elle est sur l'île, je ne sais pas. Tu risques, un de tes enfants risque de se suicider. Vraiment, prends cela au sérieux si tu n'es pas ici. Si tu es en ligne, vois le pasteur, tu dois passer à la délivrance et expose ta vie. Montre les choses qui ne vont pas. Ne donne pas une apparence d'être saint. Laten niet lijken sur beaucoup de portes ouvertes. Il y a une grande menace dans ta vie. Er is een grote bedreiging. Alléluia. Je disais la confiance en Dieu. Vertrouwen in God. Et la deuxième clé. Is de tweede sleutel. Capable d'assurer la protection. Hij is de staat. Genèse 28, verset 22. Genèse 28. Vous pouvez le lire. Troisièmement, pour avoir pour bénéficier de la protection de Dieu, de bescherming van God te genieten, tu as besoin de servir Dieu. Heb je nodig om God te dienen? Dis avec moi,
moi servir Dieu. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et l'Éternel votre Dieu bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera la maladie de vous. Il y a une vraie grâce. Il y a une vraie bénédiction en servant Dieu. Vous voulez la vie de Dieu. Mais la vie de Dieu, c'est pas seulement pour dire j'ai la vie. Je dois me rendre utile pour Dieu. Je dois servir Dieu. Tous ceux qui servent Dieu, sachez que servir Dieu vous assure la protection. Ah oui. Lorsqu'on sert Dieu, on est sûr que Dieu prend soin de te protéger. Toi et tes biens, toi et ta maison, toi et ta famille. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un aujourd'hui à servir Dieu. Alléluia. Tous ceux qui servent Dieu ont de droit. Tu peux réclamer à Dieu. Tu dis ça, je refuse. Je refuse que l'ennemi touche ma famille. Parce que je te sers en esprit, en vérité. Acte chapitre 23, verset 11 à 16. On nous parle de Paul qui sert de Dieu. Et les gens se sont réunis. Ils ont fait des complots pour tuer Paul. Ils étaient plus de 40 personnes. Ils ont dit, nous n'allons pas manger. Nous allons rester en jeûne jusqu'à ce que Paul meure. Tu n'as aucune idée de ce que la vie de Dieu dérange. La vie que tu as, ça dérange les sorciers de ta famille. Ça dérange les occultistes du coin. Pourquoi les gens n'aiment pas les églises? Parce que la présence de l'église, c'est la vie. Et ça dérange les œuvres mystiques. Il y en a qui font des imprécations. Il y en a qui se disent, nous allons jeûner. Vous imaginez, au lieu de jeûner pour chercher Dieu, ils jeûnent tellement. Ils vont jeûner 40 jours. Ils vont jeûner 40 jours. Ils vont jeûner 40 jours. Et quand ils vont maigrir, parce que la protection est sur toi. Quand tu sers Dieu, sois fier. Lâche la tête haute. Lâche avec assurance. Je vois quelqu'un qui marche avec assurance. Il tombera à mon côté. Il est à ma droite. Je ne serai pas atteint. Avec tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Je dis celui qui a creusé la tombe pour toi. Il entrera lui-même dans le cercueil. Ah non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Rembrasé Kata. Esaïe 54. Ici, l'enfant des complots. Cela ne vient pas parler de moi. Je suis de quel part? Trésor. Je suis un prédicateur chevronné. Il me prédicateur complet. Tu connais, tu vérifies. Il est là encore. Et ça? Non, non. 15 ans. Ah, 15. Tu m'as dit 15 ans. Non, je n'ai pas oublié. C'est pourquoi je condense tout. Esaïe 54, il est si l'enfant de complot. En ce complot, il y a des complots contre toi. En ce complot, tu es. J'ai oublié de l'écrire dans le cahier. Quand je préparais ça, je m'en dis à des complots. Les gens, certaines personnes dans l'ombre disent c'est pas normal. Ils sentent en toi une accélération, les choses vont vite. Et tu risques d'avoir des faux témoignages. Mais Dieu me dit, de te dire et de dire à l'église, si l'enfant de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Il dit tout arbre qui sera forgé contre toi sera nul et sans effet. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire quand on sert Dieu, on a un droit. On a un droit, on a une part, on a un souvenir. Quelqu'un, tu as une part, tu as un droit et tu as un sourire. Lorsque tu sers Dieu, ils vont dire des mauvaises choses, mais ne t'inquiète pas, ça fait partie de l'école de Dieu. Les mauvais témoignages, c'est la preuve que l'école de l'élévation est arrivée. Il n'y a pas élévation sans faux témoignages. On raconte des choses fausses, mais qu'on ne trouve pas dedans. Mais ceux qui l'ont raconté, ils seront confondus.
Amen. Oh, vous cassez la bouche. Ah, tu as besoin. Tu as besoin du sang de Jésus. La quatrième chose qui assure la protection, c'est le sang de Jésus. Contre les réclamations sataniques, contre les hôtels de famille. Nous venons tous des familles où il y a un héritage spirituel. Nos ancêtres ont fait des pactes. Ils ont des hôtels sur lesquels ils sacrifient pour pérenniser leur pacte. C'est une vérité qui existe. Mais j'ai une bonne nouvelle. La puissance du sang de Jésus est telle que toute réclamation n'a plus de pacte, n'a plus de force. Exode 12, verset 13. Le Seigneur a dit à Moïse de prendre le sang et de le mettre sous les linteaux. C'était le sang d'un agneau. Quand l'ange de la mort allait passer, il allait voir le sang et il allait sauter. Je suis venu dire, même si on a dit que dans ta famille, il y a des réclamations, il y a des pactes, mais à cause du sang de Jésus, quand Jésus vient, il peut toucher tous les autres membres de famille. Mais quand il arrive dans ta maison, il saute. Pourquoi? Il y a le signe du sang sur ta maison. Alors la Bible dit que le sang parle. Amen. Le sang a une voix. Le sang parle. La vie est dans le sang. Dieu l'a donné sous l'autel. Et le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Si le sang d'Abel crie, le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Le sang d'Abel crie vengeance. Le sang de Jésus crie miséricorde. Oh, je vois quelqu'un qui est couvert par le sang de Jésus. Quelqu'un qui soit couvert par le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Cinquième chose. Tu dois être prudent. Oui, tu veux la protection. Si tu n'es pas vigilant, tu tomberas dans le piège. Le Seigneur dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de l'eau. Soyez simple comme des volantes. Et soyez prudent. Ne mets pas ton pied partout. Ne sois pas naïf. Ne crois pas que tout le monde est gentil comme toi. Les gens se chantent. J'étais trop naïf avant. Je croyais que tout le monde était bon, tout le monde était gentil. Jusqu'à ce que j'ai eu des gros problèmes. Aujourd'hui, je suis devenu délivré. Bien aimé, il y a des méchants. Un méchant peut avoir la gentillesse. La gentillesse n'est pas le fruit du Saint-Esprit. C'est l'amour qui est le fruit du Saint-Esprit. Il est gentil, il te fait des cadeaux, mais derrière, il veut te faire tomber. Il y a des Jézabel qui existent. Il y a des Alexandre le Forgeron qui existent. Ne sois pas naïf. Dans le ministère, tu dois être vigilant et tu dois être sérieux. Tu es le premier à protéger l'église, à protéger la bergerie. Ne fais pas confiance à tout le monde. Tu peux venir avec ton CV, je te regarde. Et il y en a, je les éprouve, j'attends longtemps pour les mettre au service. Juste pour les regarder ce qu'ils ont au fond du cœur. Et la plupart d'entre eux ne tiennent pas. Pourquoi? Ils sont gentils. Ils t'amènent des cadeaux, des enveloppes. Mais derrière, ils veulent que tu puisses leur donner une position. Et quand ils ont la position, ils entrent, ils détruisent. Et il y en a qui amènent l'esprit de la publicité dans l'église. Ils entrent dans ta maison. Des vrais serpents. Et qui détruisent tes enfants. J'étais aux États-Unis récemment, j'ai pleuré. Un pasteur qui a couché plus de 50 femmes. En gros, c'est des femmes mariées et des jeunes filles. Bien aimé, c'est des choses réelles. Pourquoi? Car quand la prudence fait défaut, regarde mon voisin, il dit sois prudent. Non, touche le voisin, dit sois prudent. La vie chrétienne ne veut pas dire avoir les yeux fermés. Amen. Veillez, priez pour ne pas tomber en tentation. La protection nécessite la prudence. Dieu protège, tu dois être vigilant. Amen. Dernier point. Il reste 2 minutes. Les anges de Dieu. Les anges de Dieu. Après, on va prier, n'est-ce pas? Psaume 34, verset 8. Psaume 8. L'ange de l'Éternel rampe autour de ceux qui le craignent. Mais nous n'oublions jamais que nous ne sommes pas seuls. Les anges de Dieu campent autour de nous. Si nous sommes enfants de Dieu, l'ange de l'Éternel vient nous protéger. Chacun de nous a des anges. Si tu es un enfant de Dieu, tu as des anges. Mais je vais te donner un secret. Peut-être que tes anges sont opérationnels. Tu dois être un homme et une femme de prière. Plus tu pries,
Plus cela donne la force à des anges d'agir. C'est très biblique, je n'ai pas le temps d'apprécier. Et l'Ancien Testament, le Nouveau Testament le prouve. Pierre était gardé en prison parce que l'église priait. L'ange est parti le sauver. Bien-aimé, tu dois prier. Et je dois prier. L'église doit prier. En Occident, les gens ne prient pas assez. Prions. Et soyons sérieux avec Dieu dans la prière. Ça permet que nos anges soient puissants. Et nous agissons. Et nous délivrer lorsqu'il y a des combats. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ici, à venir devant toute personne qui veut la prière, tu veux une prière particulière, viens. Si tu es malade, viens. Si tu as des problèmes, viens. Si tu as des soucis, viens. J'ai pas envie. Je ne veux pas travailler dans le prophétique parce qu'on a le temps. Le temps est très court. Venez, pendant que vous allez être devant, certainement que le Seigneur va donner les paroles pour les uns les autres. Vous voulez voir la main de Dieu? Venez. Je ne sais pas si cette façon, l'Esprit de Dieu assiste encore. Il y a eu de la vision par rapport au torrent, sa rentrée et sa ravagée. Si la personne n'est pas ici, c'est possible. Si elle nous survit, venez voir le pasteur Gabre. Venez le voir, s'il vous plaît. N'attendez pas que le pire arrive. Je connais le Dieu que je sers. Et ce Dieu, quand il me parle, ça ne rate pas. Vous voyez? Ça serait dommage que d'être averti et de rien faire. Lèvez vos mains. L'Esprit de Dieu me parle d'une femme. Tu as un problème relationnel. Tu veux te marier. Il y a des hommes qui s'intéressent à toi. Et quand c'est le moment, quand vous avancez un peu dans la relation, quelque chose arrive. Et tout s'arrête. Et tu es fatigué de ça. Ça t'est arrivé déjà un peu plus de 2-3 fois. Si tu es devant, je prie pour toi. Mais si tu as encore dans la foule, arrive, je veux prier pour toi. Si par rapport à ce problème. Alléluia. Oh, les mots charabassés à la main. Puissant guerrier, Jesus, you will shut the abra, you will shut the nation.
Luister, peu importe ce que Dieu te dira, doe het. Proceed naar de